Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Sauron, donc, qui est professeur émérite d'archéologie romaine à Sorbonne Université et qui va nous parler du programme décoratif des théâtres augustéens et notamment de leur portée politique autour de la thématique de l'âge d'or augustéen qui est aussi évoquée dans notre exposition temporaire. Alors, je vous précise qu'une séance de dédicace, comme d'habitude, suivra la conférence. Vous pourrez aussi poser vos questions aux conférenciers à l'issue de la conférence. Je vous donnerai le micro. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne conférence. À tout à l'heure. Bien, je remercie Manuela Lambert qui a été pour moi, il y a quelques années, une brillantissime étudiante de la Sorbonne. Je remercie aussi Dominique Darde, Cécile Carrier, toute l'équipe du Musée de la Romanité. Nîmes, j'y vais depuis très longtemps, puisque je m'étais intéressé dans mes premiers travaux au site funéraire à décor de Pinceau. Donc, je vais vous parler de la mise en scène du retour de l'âge d'or dans les théâtres augustéens. Nous sommes familiers des théâtres romains, à commencer par celui d'Orange, qui voit chaque année la célébration des fameuses chorégies. L'imposante muraille qui forme le fond de la scène est un témoin merveilleusement conservé de ce qui fut la révolution augustéenne du théâtre romain. Car en ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, l'avènement du nouveau régime politique à Rome, fondé par Auguste après sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre, a marqué une rupture durable dans l'histoire du décor où évoluait la vie des hommes. Les théâtres en pierre sont restés longtemps un type monumental propre à l'urbanisme des cités grecques. À l'occasion, les citoyens grecs assis sur les gradins y réunissaient des assemblées politiques. Et c'est pourquoi la noblesse sénatoriale de Rome s'opposait à la construction chez elle de théâtres permanents. Les Romains, tenus d'offrir des spectacles scéniques à certains de leurs dieux, comme Apollon ou la Grande Mère des Dieux, construisaient des théâtres provisoires qui duraient le temps du festival consacré à ces divinités. On construisait des fronts de scène, parfois très spectaculaires, qui étaient démontés au lendemain des spectacles. Au dernier siècle de la République jusqu'à Auguste, les Romains avaient adopté les décors amovibles du monde grec, qui étaient peints sur des panneaux de bois. On connaît bien l'architecture des scènes grecques, ici l'exemple de celle de Priène, destinée donc à accueillir ces panneaux peints interchangeables en fonction des genres théâtraux auxquels se rattachaient les pièces de théâtre que l'on donnait devant. Ces panneaux peints, que l'on appelait des pinakes en grec, donc étaient plaqués contre les piliers qui s'alignait en façade d'une construction que l'on appelait le proscénion. Vous voyez ici l'arrière du proscénion, où on plaquait ces panneaux de bois, ou des portes, ça dépendait de l'emplacement. Et vous voyez ici l'épaisseur d'un panneau de bois peint entre le trou de mortaise où on glissait la targette et la feuillure du pilier qui permettait de bloquer le panneau. Ces piliers étaient ornés en façade donc, de demi-colonnes doriques. On connaît trois exemples bien conservés de ce genre de dispositif, à Oropos en Béotie, à Priène et à Aphrodisias en Asie mineure. En Italie républicaine, mais en dehors de Rome, un dispositif analogue est connu au théâtre de Pietrabondante, appartenant à un sanctuaire d'une tribu samnite. En tout cas, les sources littéraires nous affirment que des décors peints de théâtre ont été introduits à Rome par un édile, un certain Caius Claudius Pulcher, en 99 avant Jésus-Christ. Pline nous rapporte que les scénographies, c'est ainsi qu'on appelait les peintures servant de décors aux pièces de théâtre, commandées par Claudius Pulcher, étaient si réalistes que des corbeaux cherchaient à se poser sur les tuiles représentées. Là, je vous montre une peinture qui probablement est transposée d'une scénographie de ce genre. Et plus tard, dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, Vitruve, à propos du théâtre latin,
nous a donné la nomenclature de ces décors peints qui correspondaient aux trois genres théâtraux hérités des Grecs. Et ces trois types de scénographie sont transposés dans le décor d'une chambre à coucher conservée au Metropolitan Museum of Art de New York, qui appartenait à une villa située aujourd'hui dans la localité de Bosco Reale, sur l'antique territoire agricole de Pompéi. Les tragédies mettaient en scène les héros de la guerre de Troie dans un contexte de palais ou de sanctuaire. Les comédies montraient des types humains contemporains, libres ou esclaves, dans le cadre de leur vie urbaine, chez les Grecs à Athènes ou à Milet, chez les Romains à Rome. Et les drames satiriques évoquaient l'univers des demi-dieux rustiques, comme Pan, les satyres ou les nymphes, dans leur environnement campagnard. Vitruve présentait le genre tragique de décors scéniques comme un assemblage, je cite, de colonnes, frontons, statues, et en général de tout ce qui constitue un décor de palais royal. Mais nous savons que les temples étaient souvent figurés comme un temple dans les décors des théâtres grecs, dans les tragédies, comme un temple d'Artémis, par exemple, dans Iphigénie en Aulide, Iphigénie en Tauride, ou encore dans Hippolyte d'Euripide. Il décrit les scénographies du genre comique comme, dont je reviens à l'image précédente, les scénographies du genre comique comme une composition offrant, je cite, l'apparence d'édifices privés de balcons avec des perspectives offertes par des fenêtres à l'imitation des édifices ordinaires. Donc la comédie, dans les comédies, le décor représentait des villes, des rues, des maisons contemporaines. Tandis que les scènes satiriques étaient, selon lui, je cite, ornées d'arbres, de grottes, de collines et en général de motifs de campagne traités à la mode des jardins. Mais il y a un autre aspect du théâtre très important dans les métropoles des royaumes grecs issus des conquêtes d'Alexandre. C'est le rôle qu'il jouait dans la célébration du charisme des rois. Les Attalides, en tant que pergaméniens, se considéraient comme descendants d'Héraclès, père de Téléphe et fondateur de Pergame. Et les acteurs et musiciens regroupés dans ce qu'on appelait l'association des technites dionysiaques actives dans le royaume participaient aux manifestations du culte royal adressé aux souverains successifs. L'acropole des Attalides à Pergame, la métropole hellénistique la mieux conservée, distribuait ses monuments en éventail autour du cratère d'un vertigineux théâtre installé au flanc de la falaise. Au-dessus des gradins, le sanctuaire d'Athéna Niképhoros, ça veut dire qui porte la victoire, précédait le complexe palatial des rois. L'esprit de cet audacieux aménagement était sans doute de favoriser l'exaltation du pouvoir que ces rois tiraient de leur prétendue ascendance héroïque. Le peuple réuni dans le théâtre assistait à des tragédies qui faisaient revivre sous ses yeux les héros de la guerre de Troie au flanc d'une acropole où leur roi semblait connaître de nouveau la proximité des dieux et des héros chantés par Homère et les tragiques. Un épisode raconté par Plutarque illustre bien les finalités d'un tel urbanisme. Au temps de sa sanglante révolte contre le pouvoir de Rome, le roi du Pont, Mithridatis Eupator, donc c'est le Mithridate de la pièce de Racine, avait réuni la population de la récente province d'Asie à l'intérieur du théâtre de Pergame et avait cherché à se faire couronner par un mannequin aux apparences de victoire qui était descendu du sommet de l'édifice à l'aide d'une machinerie. Même si Plutarque ne le dit pas, il est évident que cette victoire provenait du sanctuaire d'Athéna Niképhoros qui dominait le théâtre. Athéna, la déesse qui, dans l'Iliade, intervient en permanence en faveur des Achéens, c'est-à-dire des Grecs, et à qui les rois de Pergame avaient attribué leur succès militaire. Le danger était que des commandants d'armée romaine imitaient ces pratiques dans les provinces, tels Quintus Caecilius Metellus Pius, qui, pendant sa campagne contre Sertorius en Espagne, s'était fait couronner par un mannequin en forme de victoire dans un local privé aménagé en théâtre. Ou bien encore en Espagne, Lucius Cornelius Balbus, qui fit jouer au théâtre de Gadès une pièce romaine sur ses propres exploits, ainsi que Cicéron s'en indigne dans une lettre. Mais déjà un siècle plus tôt, Marcus Fulvius Nobilior, vainqueur de la Ligue étolienne, se vit consacrer une pièce de théâtre intitulée Ambracia, écrite par son ami Ennius, et dont le nom était celui de l'ancienne capitale de Pyrrhus, que Fulvius avait prise et pillée au terme de sa guerre victorieuse contre la Ligue des Étoliens. Mais c'est Pompée qui prit l'initiative. Pardon,
C'est Pompée qui prit l'initiative de construire un théâtre en pierre à Rome, sur le champ de Mars, qui était extérieur, le champ de Mars, aux limites religieusement définies de Rome, qu'on appelait l'Ourps. Les constructions de Pompée au champ de Mars, qui furent dédiées en 55 avant Jésus-Christ, à l'exclusion du front de Seine, la Seine donc, qui reçut une dédicace en 52, étaient composées d'une séquence monumentale inédite, formée d'ouest en est, d'un vaste théâtre, puis derrière la Seine, d'un parc entouré d'un quadriportique, et enfin d'une curie s'ouvrant sur le portique, en conclusion de l'axe longitudinal du complexe. Et c'est dans cette curie, la curie de Pompée, au pied de la statue de Pompée lui-même, que César fut assassiné aux îles de Mars 44 avant Jésus-Christ. L'ensemble de ces aménagements était conçu à la gloire du général qui avait vaincu les pirates, puis Mithridate, et s'était ensuite emparé de Jérusalem, y avait accru l'empire d'une notable partie du Proche-Orient. 14 statues symbolisant les nations vaincues par lui entouraient l'enceinte semi-circulaire du théâtre. Ce genre de réalisation visait à satisfaire tous les publics, des plus aristocratiques aux plus populaires. Pompée avait offert pour l'inauguration de son théâtre des mises en scène très spectaculaires. Il avait même d'ailleurs plus ou moins ressuscité une actrice extrêmement âgée pour épater son public. Et le parc entouré de portiques qui s'étendait derrière la Seine devint le premier espace vert public de Rome, dont le succès fut immédiat, comme en témoigne le poète contemporain Catulle. Ce complexe monumental consistait à transposer du monde grec dans l'espace du champ de Mars à Rome deux modèles d'équipements urbains venus de la Grèce, le théâtre et la promenade arborée, cette dernière étant typique des gymnases du monde grec sous le nom de Peripatos, qui a donné son nom, comme chacun sait, à l'école d'Aristote. Le cratère des gradins du théâtre était surmonté d'un temple dédié à Vénus Victrix, Vénus victorieuse, encadré de deux chapelles, l'une dédiée au couple de divinités abstraites traditionnellement formées par Onos, dieu de l'honneur patronnant les carrières officielles, et Virtus, la déesse du courage, et l'autre chapelle était dédiée à Felicitas, la déesse de la chance. Pompée réunissait ainsi toutes les divinités qui patronnaient depuis toujours les généraux de Rome, familiers des victoires, Vénus, la mère du lointain ancêtre troyen aîné, victorieuse, Victrix, du jugement rendu par Paris, le fils de Priam, le roi de Troie, ensuite Onos et Virtus, les dieux préférés de ceux qui s'opposaient à la noblesse comme Marcellus, ou de ceux qui n'y appartenaient pas, les hommes nouveaux comme Marius, et enfin Felicitas, la déesse des hommes d'exception choisie par le destin. De plus, les dédicaces religieuses dominant le cratère du théâtre illustraient très étroitement les idées exprimées par un ami intime de Pompée, Varron, dans ses textes sur la philosophie religieuse, en particulier ce qu'on appelle sa théologie tripartite. C'est saint Augustin qui nous informe de cette théorie en citant les antiquités divines de Varron, Varron donc ami de Pompée, dans le sixième livre de sa Cité de Dieu. Varron distinguait trois genres de théologie, je cite, le genre mythique est selon lui une invention des poètes qui, je cite, admet beaucoup de fictions contraires à la dignité et à l'essence des immortels, mettant en scène des dieux, je cite, voleurs, adultères, esclaves de l'homme, des dieux enfin atteignant le fond de l'ignominie humaine. Et ce genre de théologie, écrivait Varron, s'applique en priorité au théâtre, ad theatrum. Le genre civil est celui, dit Varron, que dans les villes, les citoyens, surtout les prêtres, doivent connaître et pratiquer, et qui, je cite, enseigne quel dieu honorer officiellement, de quelle cérémonie et de quel sacrifice chacun doit s'acquitter. Et c'est pourquoi ce genre de théologie, dit Varron, s'applique à la ville, ad urbem. Le troisième genre de théologie est appelé physique par Varron, physikon genus, parce qu'il s'intéresse à la véritable nature des dieux, s'applique au monde, ad mundum, et relève de la compétence des philosophes qui cherchent, je cite, ce que sont les dieux, le lieu où ils résident, leur espèce, leur essence, depuis quel temps ils sont nés ou s'ils ont toujours existé, s'ils tirent leurs principes du feu, comme le croit Héraclite, des nombres, comme le veut Pythagore, des atomes, comme le prétend Épicure. Or, le complexe pompéien du champ de Mars accordait à Vénus Victrix cette triple épaisseur théologique. Le genus mythicon s'appliquait évidemment à la déesse victorieuse du jugement de Paris, dont le sanctuaire de plus surmontait un théâtre. Le genre civil aussi, puisque le culte de Vénus Victrix
était entré dans les fastes officiels de Rome avec une fête fixée au 12 août, depuis la dédicace de 55. Et Pompée avait même prétendu, dans un édit, je cite, avoir construit un temple de Vénus Victrix sous lequel il avait placé les gradins des spectateurs pour contourner l'interdiction traditionnelle de construire un théâtre permanent à Rome. Quant au genre physique de théologie, nous avons la chance d'avoir conservé, dans le cinquième livre de Varron sur la langue latine, une interprétation de cette déesse aux yeux de la philosophie. Varron avait expliqué que, du point de vue du genre physique de théologie, il ne fallait pas rattacher Victrix à Vincere et vaincre, mais à Vincere lier. Vénus Victrix étant, je cite, la puissance de liaison, en latin Vincionis du cosmos, qui relie tous les contraires du monde, le ciel et la terre, le mâle et la femelle, l'âme et le corps. Alors, c'est la reprise d'une vieille théorie de Platon. Les constructions de Pompée relevaient donc à la fois de la tradition grecque, de la création d'équipements publics conçus pour le plaisir du plus grand nombre, mais aussi de l'utilisation du théâtre pour conférer au chef de la cité un statut le situant au-dessus de l'humanité commune et enfin reflétaient une conception du monde conçue comme un ordre cosmique, stable et immuable, où les dieux assument à la fois un rôle dans la pérennité des sociétés humaines et dans l'organisation du cosmos, une conception d'origine platonicienne que s'était appropriée la partie la plus éclairée de l'aristocratie conservatrice de Rome, au premier rang de laquelle se situaient un Cicéron, un Varron, mais aussi un Lucullus, ami intime d'Antiochos d'Ascalon, le chef de la nouvelle académie, c'est-à-dire du platonisme. Mais les membres les plus conservateurs du Sénat manifestèrent leur mécontentement au témoignage de Tacite. Je cite Tacite, « Les uns disaient que Cnaeus Pompée, lui aussi, avait encouru les reproches des vieillards pour avoir bâti un théâtre permanent, car avant lui, on se contentait ordinairement pour donner les jeux d'estrades improvisées et d'une scène d'occasion. Et même s'il remontait plus haut, le public y assistait debout. On eût craint qu'assis, il ne passât toutes ses journées au théâtre à ne rien faire. » Auguste a sans doute bénéficié de la révolution introduite par Pompée dans l'urbanisme romain. Il fit même du théâtre permanent un des éléments essentiels de la panoplie urbaine des villes de la moitié occidentale de l'Empire, qui ignorait jusqu'à lui ce genre d'équipement, sauf dans les colonies grecques et ou certaines cités influencées par elles. Mais c'était pour diffuser une idéologie politique et religieuse de nature bien différente de ses prédécesseurs, les rois hellénistiques, et leur imitateur Pompée. La révolution augustienne du théâtre s'est inscrite au sein d'une propagande officielle qui présentait la prise du pouvoir par Auguste comme la conséquence d'une intervention en sa faveur du dieu Apollon, qui serait intervenu dans la défaite d'Antoine et Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ, du haut de son sanctuaire qui dominait la baie d'Axium. Apollon, qu'un oracle célébré à l'époque, notamment par Virgile, dans sa fameuse quatrième églogue, identifié au soleil et présenté comme le nouveau roi du ciel, appelé à conduire dans le monde le retour de l'âge d'or, un âge de paix, de justice et de prospérité qui avait disparu au moment où Zeus Jupiter renversa le trône céleste de Cronos, en latin Saturne. C'est en rapport avec cette mystification de l'histoire du monde qu'il faut comprendre la rupture introduite par le pouvoir augustéen dans l'histoire architecturale du théâtre et qui s'articule avec une innovation majeure dans l'histoire pluriséculaire de la dramaturgie de tradition grecque héritée par les Romains. Hélas, nous ne savons rien du front de scène du théâtre dédié à son neveu et gendre Marcellus qu'Auguste avait construit à Rome au sud du Champ de Mars, à l'emplacement même où les Romains construisaient depuis deux siècles des théâtres provisoires pour les Jeux scéniques donnés chaque année en juillet en l'honneur d'Apollon. Un de nos collègues, Bruno Poul, a montré que le front de scène du théâtre de Marcellus était décalé d'environ 24 degrés par rapport à l'axe est-ouest, axe perpendiculaire, nord-sud, étant matérialisé par l'orientation ancestrale du temple d'Apollon, auquel ce théâtre était lié topographiquement et culturellement, puisqu'on y célébrait une partie des Jeux en l'honneur d'Apollon, les Ludi Apollinares, et cet écart correspond à celui de l'écliptique par rapport à l'équateur, ce qui alignait ce front de scène sur la course annuelle du soleil.
Elle qualifiait le front de scène du théâtre de Marcellus comme le symbole d'un cosmos dominé par l'Apollon solaire. Mais en ce qui concerne l'architecture des innombrables théâtres construits à l'initiative du pouvoir augustéen dans les provinces occidentales de l'Empire, que l'on pense seulement que celui de Mérida, que vous voyez ici, la nouvelle capitale de la province romaine de Lusitanie, comporte une double dédicace d'Agrippa, le plus proche collaborateur d'Auguste. On observe la diffusion universelle d'un type de front de scène offrant aux spectateurs un décor permanent avec une architecture à deux ou trois ordres superposés servant de réceptacle à de nombreuses sculptures. Alors, nous avons ici présente Emmanuel Rosso qui travaille sur les frises du théâtre d'Orange et Cécile Carrier qui a beaucoup travaillé sur en particulier le décor statuaire des théâtres, notamment d'Arles. Le front de scène le mieux conservé de l'époque d'Auguste, celui d'Orange, une colonie formée par des vétérans de l'armée de César, nous instruit sur la signification originelle de ce genre nouveau de construction. Il présente les trois portes dont parle Vitruve, mais la porte centrale, que l'on disait royale, est percée dans un monument orné d'une double ordonnance superposée que l'on désignait comme un palais royal, regia en latin, regia domus, et cette regia est curieusement, vous le voyez ici sur l'image, disposée au fond d'une gigantesque abside qui confère à ce mur beaucoup de son aspect spectaculaire. Dans le cadre de l'idéologie fondatrice du pouvoir augustéen, qui célébrait le retour de l'âge d'or comme le résultat du double avènement de la royauté céleste de l'Apollon solaire, d'une part, et de la prééminence terrestre d'Auguste, d'autre part, cet étonnant assemblage d'architecture exprimait la réconciliation du ciel et de la terre et des deux pouvoirs qui se répartissaient le monde, mais dont celui d'Auguste n'était célébré que comme l'émanation de celui d'Apollon. La grande exèdre introduit en effet le thème de la concavité qui bénéficiait de l'irrésistible puissance de la poésie d'Ennius, dont les vers sont constamment cités par ses successeurs, jusqu'à ce que l'apparition de Virgile éclipse son prestige. Or, l'insistance avec laquelle Ennius évoquait la sphère cosmique dans ses pièces de théâtre était devenue proverbiale. La formule était « sphairam in skainam », c'est-à-dire « il a mis la scène, il a mis la sphère sur la scène ». Dans sa pièce Andromaque, il parlait par exemple des « kawakaeli », des creux du ciel, au cours d'un dialogue entre l'héroïne et la nuit. Les métaphores d'Ennius ont été relayées à la fin de la République par la fameuse locution des cavernes du ciel que l'on trouve chez Varron dans les Satires Ménippées, qui apparaît deux fois chez Cicéron et encore à trois reprises dans le poème de Lucrèce sur la nature. Ce dont témoignent ces métaphores répétées avec insistance d'un auteur à l'autre au cours des deux derniers siècles de la République, c'est un imaginaire romain qui établissait un lien privilégié entre le thème de la concavité sous toutes ses apparences et l'évocation du ciel. Varron parle d'une étymologie caum, caelum, le creux, le ciel. Quant à la régale, le palais royal situé au centre du front de scène, elle renvoyait à la résidence de l'empereur sur la colline du Palatin de Rome, ce que montrent avec évidence les fameux autels en marbre retrouvés au théâtre d'une autre colonie césarienne de Narbonnaise, la colonie d'Arles. Toujours, on parle toujours ici d'un théâtre augustéen. Ces autels ornaient la piste demi-circulaire qu'on appelait l'orchestra et, d'autre part, les niches du support du plateau scénique qu'on appelait le pulpitum. Sur l'autel des cygnes, placé au centre de l'orchestra, les emblèmes végétaux d'Apollon, laurier et palmier, étaient associés à une riche guirlande de fruits, symbolisant probablement le retour de l'âge d'or et de la fécondité, ainsi qu'à l'animal emblématique du dieu, le cygne. L'autel d'Apollon, situé sur le même axe dans la niche centrale du pulpitum, représente sur sa face principale le dieu avec le trépied et la cithare, les emblèmes qui accompagnaient la statue de culte d'Apollon dans son temple du Palatin. Et donc ce que vous voyez dans l'exposition avec les représentations d'Apollon avec la cithare reçue par la victoire donc dans son nouveau sanctuaire. Il y a une extraordinaire série qui a été présenté, donc, qui est assez, qu'on voit très rarement, qu'on ne voit jamais d'ailleurs grouper de cette façon. Donc,
l'Apollon Citharède, c'était l'Apollon du temple d'Apollon au Palatin. Et sur les côtés, le supplice de Marsyas, qu'on voit ici. Le supplice de Marsyas qui ornait peut-être la cithare de la statue cultuelle d'Apollon Palatin, si on admet la suggestion d'Alfonso Bartoli de reconnaître dans l'Apollon Citharède du Museo Pio Clementino au Vatican et provenant d'une villa de Tivoli, une copie de l'Apollon de Skopas qui servait de statue de culte au temple du Palatin et où l'on voit un Marsyas suspendu à l'arbre comme ornement de la cithare du dieu. La représentation du supplice de Marsyas condamné par Apollon, qu'il avait osé défier, s'accordait en tout cas avec le décor des portes du temple d'Apollon Palatin dédié en 28 avant Jésus-Christ, en vertu d'une promesse faite aux dieux en 36 et qui s'était trouvée singulièrement renforcée à la suite de la victoire d'Axium en 31, attribuée par les poètes du cercle de Mécène, Virgile et Properce, à une intervention d'Apollon. Les reliefs en ivoire ornant chacun des battants du portail du temple d'Apollon Palatin représentaient d'un côté le massacre par Apollon et Artémis des enfants de Niobé, Niobé coupable d'avoir insulté leur mère, Latone en latin, Leto en grec, et de l'autre côté, l'autre porte, donc, avait comme relief d'ivoire la déroute des envahisseurs gaulois du principal sanctuaire d'Apollon, celui de Delphes, en 279-278 avant Jésus-Christ, qui rappelait, alors c'est assez étonnant, puisqu'on a d'un côté un décor qui montre une scène mythologique, si on veut, et de l'autre, un relief historique. Alors pourquoi ce contraste? Tout simplement parce qu'on avait voulu montrer la succession des âges précédant le retour de l'âge d'or et succession des âges qui avait abouti à la fin de l'âge de fer, qui était la bataille d'Axium. En fait. Donc ces deux décors rappelaient les punitions infligées par Apollon aux ennemis de sa divinité dans les âges successifs qui avaient précédé le retour de l'âge d'or. L'Apollon qui était honoré dans le temple comme sur l'autel d'Arles était le dieu pacifique qui présidait au retour de l'âge d'or et qui avait troqué l'arc du dieu vengeur contre la cithare du dieu de la paix retrouvée. Comme l'écrivait à l'époque un membre du cercle littéraire de Messala Corvinus, le poète Tibulle, en s'adressant à Apollon lui-même, je cite Tibulle, « que grâce à ta paix, donc il s'adresse à Apollon, disparaissent les arcs et que disparaissent les flèches. Perant arcus, perionque sagitae. » Les autels du théâtre d'Arles étaient couverts d'allusions au portail de la maison d'Auguste avec deux lauriers, donc cet autel est exposé dans l'exposition de Nîmes, non ? On vient de le voir tout à l'heure. Donc les autels du théâtre d'Arles étaient couverts d'allusions au portail de la maison d'Auguste avec deux lauriers sur l'autel d'Apollon, donc on vient de le voir. Et sur deux autres autels, la couronne de chêne, qu'on appelait la couronne civique, décernée, selon la formule latine, obcives servatos, pour avoir sauvé la vie de concitoyens, honneur qu'Auguste avait reçu du Sénat en janvier 27 avant Jésus-Christ, et qui conférait à l'entrée de sa maison une impressionnante aura politique et religieuse. Les deux lauriers étaient plantés de part et d'autre de la porte de la maison d'Auguste, vous voyez sur cette monnaie, tandis que la couronne de chêne était placée au-dessus, comme le montrent les images monétaires augustéennes. L'utilisation du marbre de Carrare suggère que ces autels ont été fabriqués à Rome ou dans ses environs. Dans un atelier travaillant pour le compte du pouvoir augustéen, Arles était évidemment un port maritime qui recevait, on a même retrouvé une tête colossale d'Auguste à proximité d'Arles. Je ne vais pas entrer dans les débats sur César, je laisse à Emmanuel Rousseau la tête de César. Bon, je plaisante, mais donc les deux les lauriers étaient plantés de part et d'autre de la porte de la maison d'Auguste, tandis que la couronne de chêne était placée au-dessus, comme le montrent les images monétaires augustiennes. Si l'utilisation donc, du marbre de Carrare suggère que ces autels ont été fabriqués à Rome ou dans ses environs, dans un atelier travaillant pour le compte du pouvoir augustéen, nous en avons une confirmation avec les deux petits autels à la couronne de chêne. L'un présente une facture parfaite et conforme au niveau de virtuosité des ateliers grecs en général, notamment attiques, ces ateliers que nous appelons néo-attiques,
tandis que l'autre autel est un mauvais pastiche du précédent, réalisé manifestement sur place par un artisan local. La niche supérieure qui dominait la regia abritait une statue d'Auguste, avec une tête en marbre du type qu'on appelle de prima porta, et qui correspond à un traitement classicisant où le marbre est modelé pour refléter uniformément la lumière et dégager ainsi une impression de sérénité qui était considérée comme l'apanage des dieux. Et le corps, sculpté en calcaire, présente le type du manteau enroulé autour de la taille qui correspond à l'iconographie habituelle du Zeus des Grecs et du Jupiter des Romains. On a discuté pour savoir s'il y avait là une statue posthume ou installée du vivant de l'empereur, mais un des principaux spécialistes de la statue augustienne, notre collègue Boschung en Allemagne, n'a pas tranché le débat à ma connaissance. À Orange, où la niche est conservée, l'architecte Jules Formiger, qui fut longtemps responsable de la restauration du théâtre antique, a bricolé, avec des éléments de sculpture en marbre varié, une statue qu'il voulait, avec optimisme, être celle d'Auguste. Le nouveau type de front de scène, introduit par le pouvoir augustéen, reléguait dans les poubelles de l'histoire la conception traditionnelle du décor théâtral qui avait régné jusque-là pendant 5 siècles, où des peintures s'accordaient aux 2 genres théâtraux correspondant aux âges successifs qui s'étaient succédés depuis la disparition du premier âge d'or, l'âge des héros avec les tragédies ou l'âge des héros dont parle Hésiode et dont reparle ensuite Virgile, et l'âge de fer avec les comédies, ainsi qu'au monde immobile de la nature servant de cadre au drame satirique. Désormais, un décor unique et permanent célébrait la renaissance du monde avec le retour de l'âge d'or. Certes, Auguste aurait pu célébrer le retour de l'âge d'or en recourant au drame satirique avec leur décor champêtre qui mettait en scène la nature, ses demi-dieux et les humbles habitants des campagnes ou des montagnes qui avaient échappé à l'histoire et à ses convulsions sanglantes, comme le chantait alors Virgile dans les Géorgiques, en faisant de l'espace rural le conservatoire des valeurs du premier âge d'or. Donc, vous avez le texte ici, je cite la fin de ce texte. Là, on trouve donc à la campagne les pacages boisés et les tanières des bêtes, une jeunesse endurante à l'ouvrage et accoutumée à la sobriété, le culte des dieux et la piété filiale. C'est là que la justice, en quittant la terre, a laissé la trace de ses derniers pas. Or, cette justice, c'est la Vierge, c'est la constellation de la Vierge, c'est la Vierge Justice, dont Virgile, dans la 4e bucolique, annonçait le retour sur terre, donc pour inaugurer en quelque sorte le retour de l'âge d'or. La diffusion à l'époque augustienne des paysages sacro-idylliques, montrant les plus pauvres des mortels comme les bergers, dont la nudité est à peine voilée par une peau de bête, sacrifiant un animal de leur humble troupeau à un sanctuaire de montagne, illustrait ce thème de la pérennité, de la piété et de la paix chez les plus humbles des mortels, dans les lieux les plus éloignés des villes. Ces peintures ont orné de nombreuses demeures urbaines des Romains et faisaient résonner dans le cœur de leurs habitants, qui portaient la mémoire d'un siècle de guerre civile, des échos virgiliens qui depuis ont traversé les siècles, ô Fortunatos Nimium Agricolas, ô trop heureux les paysans. Au lendemain de l'assassinat de son père adoptif César, celui qui ne s'appelait pas encore Auguste, mais partageait avec Marc-Antoine et Lépide le pouvoir absolu sur l'Empire au sein du Triumvirat, aménagea une riche demeure sur le Palatin, où il s'installa avec Livie, devenue son épouse en 38 avant Jésus-Christ. Une chambre y est ornée de scènes théâtrales, avec des masques uniformément satiriques et des scénographies figurant à chaque fois un sanctuaire rustique. Le propriétaire des lieux s'y trouvait dans la position d'un acteur de drame satirique sur une scène théâtrale. On retrouve de semblables figurations de sanctuaires rustiques dans les appartements privés de la même demeure qui semble avoir été réservée à Livie. Peut-être à cette époque précoce, le futur Auguste a-t-il songé à utiliser le théâtre pour célébrer la permanence des valeurs du premier âge d'or dans une évocation de l'univers bucolique. Mais plus tard, en tout cas, il a préféré célébrer le retour de l'âge d'or en faisant construire des fronts de scène centrés sur un palais faisant allusion au Palatin
plaqué contre la concavité d'une gigantesque exèdre figurant le ciel habité par les dieux, une spectaculaire architecture symbolisant la réconciliation du ciel et de la terre et où les ordres corinthiens superposés figuraient la stabilité et la hiérarchie du monde renaissant. Or, c'est là l'aspect essentiel de la rupture augustienne dans la conception du théâtre. Ce décor n'était pas fait comme auparavant pour offrir un cadre adapté à chacun des spectacles dramatiques qui se déroulaient devant lui, mais à l'inverse, pour former avec lui un saisissant contraste. Cette interprétation se déduit irrésistiblement de ce que nous savons de l'intervention du pantomime Pylade, un affranchi d'Auguste, d'origine cilicienne, qui fut l'acteur roi du régime augustéen. Ce personnage fait irruption sur la scène de l'histoire en 22 avant Jésus-Christ, à la fois comme le praticien et le théoricien d'un nouveau genre scénique, la danse italique, qui consistait à associer à la musique éclatante des oloïs et des syrinx, accompagnant les chants du chœur, le jeu d'un acteur muet qui pratiquait toutes les danses jadis associées aux trois genres théâtraux. Dans son traité sur la danse, dont il est possible de retrouver quelques échos dans le traité homonyme parvenu à nous sous le nom de Lucien, Pylade a signé au pantomime un répertoire allant, je cite, « du chaos et de la première naissance du monde jusqu'à l'histoire de Cléopâtre, reine d'Égypte ». Je vous signale par parenthèse que vous avez là exactement le plan des métamorphoses de vide. Ça démarre au chaos et ça finit dans les dernières guerres civiles. Ainsi, le pantomime augustien devait figurer par le jeu muet de sa danse toute l'histoire du monde, jusqu'à la conclusion de l'âge de fer, selon les conceptions officielles, c'est-à-dire jusqu'à la bataille d'Actium et à la prise d'Alexandrie, en 31-30 avant Jésus-Christ, qui vit la défaite puis le suicide des adversaires du futur Auguste, Cléopâtre et Marc-Antoine. Et ce jeu se déployait devant un front de scène d'un genre nouveau, qui, par le dispositif original de la Regia, la partie centrale de ce dernier qu'on appelait le Palais Royal, plaquée contre la concavité d'une gigantesque exèdre symbolisant la concavité du ciel, ainsi au Théâtre d'Arles, de Mérida, d'Orange ou de bien d'autres théâtres, représentait le cosmos réconcilié du nouvel âge d'or dont le pouvoir augustien fixait le retour à partir d'Axiome. Loin d'accorder, comme dans la période précédente, le décor des pièces, comiques, tragiques, satiriques, au genre de ces dernières, le théâtre augustien était un théâtre de la tension entre, d'une part, les gesticulations pathétiques du pantomime, symbole incarné des malheurs du passé, et d'autre part, la grandiose architecture d'un front de scène qui symbolisait le monde réconcilié, hiérarchisé et stable du nouvel âge d'or. C'est ce qui explique l'extraordinaire impulsion donné par le pouvoir augustien dès les premières décennies de son existence à la construction de théâtres dans de nombreuses cités de la moitié occidentale de l'Empire, en Italie, en Gaule, en Espagne, en Afrique. J'insisterai sur un dernier aspect qui est le thème de la hiérarchie qui réunit en un unique message les deux parties du théâtre augustien, la scène et les gradins, la scaïna, comme on disait, et la cavea. Le front de scène donnait à voir l'allégorie architecturale d'un monde hiérarchisé, en l'occurrence du cosmos inébranlable du nouvel âge d'or, ce que manifestait au théâtre d'Orange les triples ordonnances superposées qui ornaient les ailes de la muraille et qui correspondaient à la tripartition rigoureuse du public entre les trois niveaux de la cavea, l'ima, la plus basse, la media, la médiane, et la summa, la plus élevée. Auguste a pu emprunter l'idée de ce symbolisme à un précédent célèbre de scène provisoire, construite en 58 avant Jésus-Christ, par l'édile curule Marcus Aemilius Scaurus, dont la magnificence de ce front de scène provisoire de 58 avant Jésus-Christ, a été décrite à plusieurs reprises, plus d'un siècle après son démontage, par Pline l'Ancien. Pline rapporte que, je cite, « la scène comportait trois étages et 360 colonnes et que la partie la plus basse était de marbre, le milieu de verre et la partie haute de bois doré ».
Alors, un de nos collègues, j'ai déjà cité, Bruno Poul, a expliqué que les 360 colonnes faisaient allusion au jour de l'année et que le marbre du bas, c'était la terre, le vert entre, au centre, c'était l'air, et au-dessus, l'or, c'est les terres, c'est le ciel. Alors, cette hiérarchie du monde s'exprime plus allusivement sur la scène augustéenne par la superposition des ordonnances corinthiennes à une époque où l'ordre corinthien, donc, a été si bien décrit par Pierre Gros, le corinthien romain. Donc, l'ordre corinthien, en même temps que les rinceaux d'Acanthe, sont promus au rang suprême de symbole de la renaissance du monde, comme en témoignent, entre autres, innombrables exemples, la maison carrée de Nîmes et l'hôtel de la paix Auguste, l'Ara Pacis Augustae, à Rome. En ce qui concerne la hiérarchie du public dans la Cavea, on sait qu'à Rome, Auguste avait multiplié sur les gradins du théâtre les discriminations entre militaires et civils, hommes et femmes, imposant des portions de gradins qu'on appelait les cunei, particulières à certaines catégories de citoyens, et interdisant la media cavea aux spectateurs vêtus d'une toge sombre. La loi julienne théâtrale, mentionnée par Pline, renforçait sans doute les dispositions légales antérieures qui réservaient à Rome l'orchestra aux sénateurs et les 14 premiers gradins à l'ordre équestre. En ce qui concerne le théâtre d'Orange, deux inscriptions mentionnant que les 3 premiers gradins de la Lima Cavea, donc la partie basse des gradins, étaient réservés aux chevaliers, nous garantissent que les prescriptions du pouvoir augustien y étaient respectées. Habituellement, mais ce n'est pas le cas à Orange, on installait pour les décurions qui formaient le conseil municipal des villes de l'Empire et pour les magistrats des gradins que vous avez ici au théâtre de Pompéi, très bas et profonds, donc sur lesquels on plaçait les bancs où s'installaient les notables, si vous voulez, les gens qui participaient au conseil de chaque cité. Donc, alors, à Rome, sous la République, en fait, les sénateurs étaient directement installés sur des bancs à l'intérieur de l'orchestre. Donc, on a un peu rationalisé, si on peut dire, par cette architecture. Les mêmes gradins réservés à des sièges amovibles, mais gradins cette fois-ci rectilignes. Alors, ici, vous avez un exemple de... On installait donc pour les curieux, oui, c'est ce que je vous montre ici, ces gradins en fer à cheval, donc très bas et très profonds, qui étaient faits en fait pour installer des bancs ou des sièges pliants, les fameux sièges curules. Je vous signale d'ailleurs qu'on connaît au théâtre d'Épidore, au deuxième théâtre d'Épidore, il y a un petit théâtre à Épidore, qui possède justement des bancs pour la proédrie, c'est-à-dire pour la partie la plus honorable, la partie qui est devant les gradins, pour les prêtres et magistrats. Donc, chacun connaît les fameux sièges curules qui apparaissent aussi bien pour les magistrats de Rome que pour les magistrats des villes provinciales. Et ces bancs ou ces sièges pliants étaient installés donc sur des gradins très profonds et très bas, à l'intérieur des curies. Donc, vous voyez ici la curie de la colonie romaine de Sabrata en Afrique proconsulaire, l'actuelle Libye, et c'est la curie la plus fidèle, disons, au modèle architectural de la curie julienne de Rome, où vous avez ces mêmes gradins. Alors, le siège, c'est un élément de pouvoir très important chez les Romains. D'ailleurs, l'expression siéger vient des Romains. Le siège, c'est le symbole du pouvoir. Quand une fois devant le Sénat, debout, César a osé s'asseoir sur un siège curule, il a signé son assassinat, c'est ce que dit Suétone. Et le poète Ovide, qui a payé d'un exil définitif sur les bords glacés de la mer Noire son ironie à l'égard d'Auguste, a imaginé dans le 5e livre de ses Fastes de faire de Maiestas, c'est-à-dire une divinité olympienne, la majestas, ça veut dire la hiérarchie, le fait d'être plus grand. Acquis à la manière d'Hésiode, il a inventé une généalogie en faisant donc malicieusement
Maestas, la fille d'honneur et de révérence, donc monsieur honneur et madame révérence. Pour Ovide, Maestas est la déesse qui introduit dans les esprits le respect pour tout ce qui est supérieur. Je cite, c'est un hymne. C'est elle qui assure au père et aux mères le respect pieux, elle qui se fait la compagne des jeunes garçons et des vierges, elle qui donne le prestige au faisceau et à l'ivoire curule, elle qui triomphe debout sur un char attelé de chevaux couronnés. Maestas est la déesse de la puissance de l'idéologie, comme l'exprime Ovide avec les mots de son temps, « Majesté, résume-t-il, conserve sans violence physique, sine oui en latin, sans violence physique, son sceptre redoutable à Jupiter. » Au deuxième livre des Métamorphoses, se moquant de la majesté de Jupiter qui ne résiste pas à son désir de posséder la belle Europe au point que le roi des dieux se déguise en un taureau minaudant pour parvenir à ses fins, Ovide écrivait, je cite, « Ils ne vont pas bien ensemble et ne résident pas au même endroit, la majesté et l'amour. » La révolution augustienne de l'architecture théâtrale manifestée dans tout l'Occident romain dès le règne d'Auguste s'est ensuite diffusée dans tout l'Empire, y compris dans la moitié orientale. Et je me contenterai de citer deux des exemples les mieux conservés, celui d'Aspendos en Pamphylie, au sud de l'Asie mineure, construit par deux citoyens romains à l'époque de Marc Aurèle. Donc vous voyez ici ce théâtre parfaitement conservé. Et qui est un théâtre parfaitement augustien, sauf que la scène entièrement architecturée marque une évolution, mais là, je n'ai pas le temps d'en parler, bien entendu. Et le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est celui de Bosra, autre théâtre très bien conservé, qui a été enfermé dans une espèce de boîte au moment de l'invasion musulmane pour en faire une forteresse. Donc, il a été conservé dans sa boîte, si on peut dire. Et le théâtre de Bosra, qui est la capitale de la province d'Arabie, fondée par Trajan. Et c'est un théâtre aussi dans la plus pure tradition augustienne, monument entièrement clos, où la cavea semi-circulaire se referme sur un front de scène richement architecturé. La société s'y distribuait du bas au sommet des gradins selon une stricte hiérarchie où les fabricants d'outre occupaient le dernier rang, comme nous l'indique une inscription conservée. Mais revenons encore un instant au théâtre d'Orange. Avec le mieux conservé des fronts de scène augustéens à l'échelle de l'Empire, au-delà des 20 siècles et demi qui nous séparent de sa construction, cette étonnante muraille, privée de ses ornements d'origine, continue à impressionner le public des corégies en particulier, qui doit sentir confusément que cet extraordinaire décor continue à opposer aux passions humaines mises en scène devant lui la pérennité du monde. On a rarement atteint à un tel degré ce qui s'appelle la grandeur. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que Néron, qui se revendiquait aussi d'Apollon, aura fait des changements architecturaux aussi significatifs ou absolument pas? Est-ce qu'il était bien trop au-delà de ça? Dans ce qui caractérise Néron, s'est beaucoup occupé de lui, si j'ose dire. Et d'autre part, il a intervenu dans l'urbanisme, mais pour des raisons de sécurité plus qu'autre chose. Non, il faut comprendre que les réformes augustiennes, c'est là que le régime augustien fascine ses historiens ou ses admirateurs, c'est que le régime augustien a posé des fondements pour une durée très longue. Alors, dans le cas précis du théâtre, en fait, c'est une parenthèse, hein, puisque après, dans tous les théâtres du monde, on construit un décor en fonction des pièces. Donc, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui a accompagné l'Empire romain. C'est avec ce genre d'entreprise idéologique que les Romains se sont imposés au monde, si vous voulez. Ça fait partie de ces instruments de pouvoir que Ovide appelle la majesté, le fait de dominer les autres sans violence physique, par la conviction.
D'autres questions ? Tous les théâtres que vous nous avez montrés, certainement d'autres, étaient construits à l'initiative d'Auguste ou c'était l'aristocratie locale qui... C'est les deux. C'est-à-dire, on a vu à Mérida l'intervention d'Agrippa, qui est un lieutenant d'Auguste, mais dans beaucoup de cas, ces théâtres devaient être construits par des notables extrêmement riches, mais qui suivaient des directives précises pour ce qui est de l'architecture. J'ai cité... Alors, il y avait aussi beaucoup de colonies, c'est-à-dire des comme Arles, Orange, etc., qui étaient peuplées de populations romaines, en réalité. Donc, c'était pas des Romains, il y en avait partout. Et il y avait même des colonies... Si vous voulez, par exemple, Corinthe, en Grèce, qui a été refondée par César, c'est une ville où on parlait latin. Et les inscriptions de Corinthe sont en latin, d'époque impériale. Donc, il y avait cette présence de l'armée, des colonies, etc., qui obéissaient strictement à ce que... Mais en général, tout le monde suivait les modèles, disons, plus ou moins dictés par le pouvoir. Mais je voudrais revenir sur ce qu'il y avait l'Empire romain, ce n'était pas que les victoires militaires, c'est la capacité dont ils avaient parfaitement conscience, qu'Ovid montre, puisque Ovid explicitement définit ce qu'est l'idéologie. Il y a une phrase célèbre pendant la guerre d'Espagne de Miguel de Unamuno, qui était recteur de l'université de Salamanque, qui avait dit à Franco, vous vaincrez, vous ne convaincrez pas. Ben, les Romains, justement, ils ont vaincu et convaincu. Ben, c'est les deux choses vont ensemble. D'autres questions ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions... Vous avez parlé des décors des théâtres. Est-ce qu'au niveau des pièces qui étaient jouées, il y avait une censure ? Il y avait des pièces qui étaient autorisées, d'autres qui n'étaient pas autorisées ? Est-ce qu'on sait ces... Non, on n'a pas vraiment de données. Une grande lacune qu'on a, c'est les... Pilate, on sait, si vous voulez, qui l'interprétait, bon, des héros tragiques essentiellement. Il était un peu excité, d'ailleurs, parce qu'une fois, il jouait dans la salle à manger d'Auguste, il s'est mis à tirer des flèches, donc il a un peu inquiété le public. Enfin, il n'a pas... Et d'autre part, il s'était fait insulter parce qu'il en rajoutait quand il montrait la souffrance. Roi d'Héraclès, qui, avec la tunique de Nessus, il se tortillait un peu trop, si vous voulez, de douleur. Donc... il y avait un côté spectacle, hein, c'est-à-dire le spectacle du pantomime, c'est le mime Marceau. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne dit pas un mot, il interprète tout, sauf que là, il y a de la musique, c'est-à-dire une musique assez forte, qui accompagne son jeu. Mais les gens venaient voir la performance. Quoi. Comment il est... Donc, il n'y avait pas vraiment de message politique risqué, si vous voulez, c'est pas... Alors, effectivement, sous la République, il y en avait. C'est un peu avant. On sait, par exemple, que le public applaudissait des formules qui étaient critiques par rapport aux gens. Par exemple, dans une pièce du temps de Pompée, un acteur avait dit « Tu es grand par notre misère hein ». Un des acteurs avait dit « Tu es grand par notre misère ».« Tu es magnus nostra miseria ». Et tout le monde a applaudi parce que Pompée se faisait appeler le grand Magnus. Donc tout le monde a dit. Voilà. Alors d'ailleurs en France, ça s'est passé aussi, hein, puisque la Comédie française avait joué Coriolan de Shakespeare juste avant le 6 février 1934. Donc il y a toujours des histoires comme ça quand le théâtre est parlant, si on peut dire. Mais à partir d'Auguste, il n'est plus parlant. Et d'ailleurs, il n'est plus parlant. Ce qui avait un autre avantage, c'est qu'il pouvait, si on peut dire, convaincre tous les publics, y compris ceux qui ne parlaient pas latin, etc. Donc, c'est un théâtre universel, un théâtre du silence, en quelque sorte. Et mais le spectacle, si vous voulez, du théâtre augustien, il est sur la scène, il est derrière la scène avec la construction du décor permanent, et il est aussi dans le public, parce que le public montre la hiérarchie sociale. Et on sait par Tacite que des ambassadeurs germaniques à l'époque de Néron, justement, ont voulu assister au théâtre de Pompée et étaient étonnés par cette représentation de la société qui était en quelque sorte égrenée
tout au long des gradins de la Capilla du théâtre de Pompée en l'occurrence. Moi, j'ai une question par rapport à la personne de l'empereur. Est-ce que le théâtre servait à mettre en scène sa personne ? Non, j'ai dit que sous la République, oui. C'est-à-dire qu'il y avait des pièces parlantes où des personnages de la vivants, si vous voulez, se faisaient représenter dans des pièces. Ou alors, c'était des allusions à ces personnages. Mais non, sous Auguste, non. C'est, je vous dis, c'est un... On fait ressusciter le passé, pas du tout Auguste. Auguste, il est dans le front de scène, dans le décor, dans les sculptures, dans, surtout au départ, et dans l'architecture. Donc c'est la force de ce message. C'était ça. C'était non pas de montrer, si vous voulez, d'insister sur le spectacle, mais insister sur le fait que le spectacle montre des souffrances périmées. C'est-à-dire leur dire, vous êtes bien content maintenant, parce que tout ça, ça s'est passé avant. Maintenant, on est dans l'ordre, la stabilité, etc. Ce qui n'était pas entièrement faux. D'autres questions ? Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous informe que la prochaine conférence d'Emmanuel Rousseau va commencer dans un quart d'heure, 20 minutes. Par exemple, de profiter de la librairie éphémère et de la séance de dédicace entre deux conférences. Voilà. Thank you.